Salut à tous, aujourd'hui je vais vous faire un big haul spécial Stockomanie, Action et un peu de la boutique normale. Je vais voir, ici j'ai le temps, Victoria's Secret en rose, dans le sac rose et les produits surtout asiatiques, depuis le temps que je devais le faire. Donc voilà, c'est parti, je commence déjà par aller Action. Donc j'ai pris cet ensemble de pyjamas ladies en XL. Il était à 10 euros. C'est un peu cher, mais ce qui est bien au moins, j'ai le pantalon et le haut. Mais ça peut faire civil, hein, mine de rien. À part, hein, bien sûr, et nous ensemble. Moi, ça m'arrive de mettre en mode civil. Donc voilà, histoire d'être à l'aise même en extérieur. Donc c'est un très bel ensemble zébré. Un peu bleu marine. Non, c'est surtout noir, hein. Je crois que c'est noir anthracite, quelque chose comme ça. Donc voilà. Ensuite, ce pantalon à 5 euros avec des petits losanges, on va dire. Sur fond bleu marine, je pense, ou sur fond noir, je ne sais plus, taille XL. 5 euros, je crois que c'est noir. Hein, ouais. Je ne sais pas pourquoi. En boutique, j'avais l'impression que c'était bleu marine. Ou alors c'est moi, je suis à l'ombre, je ne sais pas. Donc voilà. Ouais, on dirait c'est bleu marine, c'est ouf. Ouais, je crois que je suis à l'ombre, hein, du coup. Donc voilà, la texture est très douce. Franchement, c'est mi-coton, mi-synthétique. C'est très doux au toucher. Ensuite, j'ai pris un pantalon à pois rose, pastel, et petit ruban au milieu du ceinturon, de la taille. Ouais, c'est que le pantalon, on est d'accord. Il n'y a pas le t-shirt. Lunch pants. Ouais, c'est que le bain. Hein. 5 euros aussi. Donc voilà, tissu coton normal. En taille XL. Ensuite, j'ai pris ce pantalon aussi zébré, vert kaki noir, en taille XL. Toujours 5 euros. Donc voilà. Ensuite, je vais tester. Ce pantalon, ce legging thermal en double XL, j'ai pris au cas où le XL il me conviendrait pas, vu que j'avoue, j'ai un gros arrière, hein. J'ai un gros fessier quand même, bien volumineux, mais bon, je vais voir si XXL ça me va. J'avais peur que le XL ne me maille pas, du coup, j'ai pris XXL, c'est le maximum, c'est la taille maximum. Alors, stretch, improved fit, ok, thermorégulateur, ok, isolant et confortable. C'est surtout pour l'hiver, donc je vais pas le mettre surtout là maintenant. Je crois, d'après le prix, je vais voir ma facture, je sais pas si c'est celle-ci. Non, c'est pas ça. Ah mince. Becky's Pain, Align. Non, ça c'est autre chose. Ok. Ma facture, attends, je vais voir. Ah, j'espère que c'est celle-ci. Alors, Coto, Conto. Ouais, ça, on dirait c'est cela. 5 euros les pantalons. 10 euros les ensembles. C'était quoi déjà le thermal? Le thermal, il est à combien? Legging thermique, 3,29 €. Ah, oh bah, j'ai bien fait de le prendre, hein, pour l'hiver. C'est pas mal. En tout, j'ai payé 51 quand même. Hein. Mais j'ai pris des choses qui me seront très utiles. Ensuite, petit porte-monnaie palmier très joli. Je vais voir si je peux customiser en mettant du fluo sur. Ou alors du vert fluo ici et marron pour l'arbre à palmier, quoi. Je vais voir si je peux, voilà, les colorier. Donc c'est 1,29 €, je pense. 1,49 €, pardon. Donc voilà, ça a augmenté, hein, quand même. Avant c'était 1,29 €, ou alors ça dépend des actions. Ensuite, petite assiette de feuilles dorées, en métal doré. Celui-ci m'a coûté 2,79 € normalement. Ensuite. Petit gel douche au pamplemousse et citron vert, ça sent super bon. J'ai celui à la pastèque.
Mon frère, il l'a à la menthe. Et je crois, je sais plus si j'ai acheté au citron, je sais plus, le jaune. Je crois pas, mais je devrais. Mais celui-ci, il sort super bon, c'est un truc de fou. Bien agrume, bien provitamine B5. J'aime beaucoup. Lime shower, grapefruit, creamy and mild shower. Ok. Provitamine B5. Ok. Ah, j'adore, j'adore. De toute façon, tout ce qui est fruité, voilà. Ensuite, un autre pantalon cosy avec des étoiles blanches sur fond bleu marine. Toujours 5 € en taille XL. Donc voilà. Ensuite, j'ai pris une belle combi fleurie, bleu marine, avec des fleurs un peu roses et vertes. Hein. Donc voilà, un peu sans manches hein, d'ailleurs la combi pantalon taille XL. Il est beau, hein, je trouve. Qu'est-ce que c'est ça? Je sais pas c'est quoi ces taches, mais bon. Bref, en tout cas, c'est joli. Et en plus, c'est col en V, pardon. Cherchez le mot. Donc voilà, celui-ci, je crois, il m'a coûté 6,99. Je pense, non. Combinaison longue, 7,99, pardon, la première. Le premier article. Ensuite, je pense que c'est bon. Ah oui. Il y a aussi cela. Les petits sticks pour chat. Ah, je vais lui en donner un là. Histoire de, pendant mon absence, quand je vais partir, je lui en donne un. Histoire de. 1 € et quelques. Ensuite, 1 € les graines de tournesol déjà nettoyées. C'est super bon, ça, je m'offrais. Le matin aussi, c'est super bon. Et des biscottes à l'ail. Ça, c'est super bon avec du fromage et tout. Surtout fromage aux chèvres, trop bon. Ou fondu aussi. Donc voilà. Ensuite, Aldi, j'ai pris ce petit livre en promo. Je crois que c'était 2 €, la chiromancie, pour lire dans les mains, les lignes de la main. Donc, je sais un peu lire, mais ça complète le tout. Je me suis dit, pourquoi pas en prendre. Donc voilà, on voit tout. On voit tous les explicatifs avec les. Voilà, avec les lignes, les dessins. Différentes formes de doigts, main molle, main dure. Eh ben, dis donc, c'est bien détaillé, hein, c'est la totale. Ah ouais, là, il y a la totale. Donc voilà, si ça peut vous servir. En plus, Saturne, Jupiter, Apollon. Oh, il y a de quoi faire. La poignée de main. Entrer dans l'extérieur. Ouais. Franchement, c'est pas mal. J'adore. J'aime bien tout ce qui est varié en dehors de la bouffe chez Aldi et tout. Hein. Donc voilà. Ensuite, chez Normal, j'ai pris cette tablette de chocolat que j'ai entamée. Hein. Ne vous inquiétez pas, j'ai entamé, c'est super bon. Chocolat au lait et noisette. Super bon. C'était 1,20 € je crois chez Normal. Ensuite, j'ai pris aussi ce chocolat blanc aux fruits, mangue et passion. Super bon et ça change du chocolat au lait. Donc voilà. Ensuite, au même prix que l'autre. Ensuite, j'ai pris cette belle palette de maquillage. Je connaissais pas cette marque, mais les fards m'ont rappelé un peu la Huda Beauty, vu que c'est un peu, comment on dit, micro-cristallisé, quoi. Un peu blanc. Et il y en a plusieurs. 1, 2, 3, 4. Et tu as celle-ci qui est holographique, la blanche. Trop beau. On a du bleu métal, sinon. Du beau turquoise légèrement pailleté. Franchement, c'est très beau. Et j'ai que trois couleurs mates. En haut, les sortes de blush bronzer et un violet bien foncé en bas. Donc voilà. Après, le reste, c'est légèrement métallique, la violette là. Violette grisée. Donc voilà. C'est très beau, franchement. Je peux vous en swatcher. C'est pas mal, hein, j'adore. J'aime beaucoup. Surtout la orangée. Franchement, la pigmentation, ça va. Mais il faut insister, hein, pour avoir la pigmentation, sinon elle est bonne.
très joli, j'adore. Donc voilà, elle m'a coûté... Ah, j'ai oublié. J'ai oublié. Attends. Ah, c'est pas là. Non, c'est pas ça. Ah, j'ai pas le prix. Pourtant, je l'avais vu chez vous. Non. Action, non. Non, j'ai plus du tout l'étiquette. C'est pas grave. Je crois qu'elle m'a coûté 5 euros ou 4 euros, je sais plus. Voilà, et j'ai pris une autre palette. Ah, je sais même pas, elle est où. Bah. C'est pas vrai, quel bazar. Bon, ah bah, il est dans le sac, tout simple. Une autre palette. Pourquoi c'est... Ah oui. Donc, j'ai cru que c'était de ces couleurs-là, violacé, bleu. On voit que c'est duo chromé. De l'extérieur, c'est la marque Révolution, I Love Révolution. Et je vous montre. En fait, c'est rose. Mais il est très beau, le rose pêche sur la droite. C'est un rose gold. Ici, on a un verre d'eau argenté, limite argenté, verre d'eau. Oh, c'est beau. Non, mi-doré, mi-vert. C'est très beau. Ici, un violet tout simple, mauve, lilas. Pailleté, et ici on a un beau turquoise. Oh là là, c'est beau. Non, finalement, j'aime bien. Je suis satisfaite. Très satisfaite, franchement. Je mets sur le sac. On va swatcher cela. Cela, j'aime bien. C'est fleuri, c'est printanier. C'est waouh. J'aime beaucoup. En plus, ça tombe bien. Le pêche gold, c'est ma couleur préférée, comme je vous le disais. Ah bah, il y en a deux, hein. Il y en a un plus foncé à droite et plus clair pastel à gauche. Je vous swatch. Oh, c'est beau, c'est très beau. Franchement, j'ai bien fait de le prendre. Hein. Donc voilà, les trois en bas. Ah, j'ai pas assez de lumière et de focus. Voilà. Le vert argenté, là, magnifique. Waouh. C'est très féerique comme couleur, comme teinte. La turquoise, comment elle est? Ah ouais. Turquoise, comment on dit? Turquoise perlée. C'est joli. Franchement, j'aime beaucoup. Ça, en creux de l'œil, c'est magnifique. J'aime beaucoup. Je crois qu'elles étaient à 5, 7 euros, je sais plus. Il faut que je revoie, il faut que je retrouve la ticket de caisse. C'est pas ça, non. Ça, c'est quoi, Camart? Non. Donc voilà, les chocolats, c'est bon. Les maquillages aussi. Ensuite, ah, j'ai oublié de vous montrer ce liquide eyeliner de Action Max & More qui est waterproof. Donc j'ai hâte de tester et voir si c'est vraiment le cas waterproof. Moi qui a les yeux facilement qui coulent, franchement, à chaque fois que je me maquille, je suis obligée de regarder, d'essuyer sous l'œil. Ça dépasse tout le temps, que ça soit du crayon noir, de l'eyeliner ou du mascara, ça coule tout le temps, quoi. J'ai beau mettre du waterproof, ça marche pas. Ou alors c'est moi qui transpire trop. Bref, j'ai pris aussi ce porte-clés glitter. Bien sûr, je retire cette image d'emoji. C'est très beau. Je vais bien personnaliser, voir ce que je peux mettre. Un truc Disney, peut-être, on va savoir. Ensuite, Stokomani. Stokomani, j'ai pris ce spray à 1,40€. Spray agrumes plaisir d'été. Donc ça, c'est vraiment quand on a chaud, on se le met sur le visage, ça fait du bien. Ouais. Lime and... qu'est-ce qu'il dit? Ouais, agrumes quoi. Brume d'eau. Olysée, je connaissais pas cette marque. Ça fait un peu spa comme marque. C'est beau à voir. J'en ai pris deux. La brume d'eau olysée parfumée agrume, plaisir d'été, est un cocktail de senteurs légèrement fleuries et citronnées. Une vague de fraîcheur pour hydrater visage et corps et rafraîchir votre peau. Donc voilà. Apparemment, il y avait d'autres senteurs, mais j'ai pas trouvé. Il y avait une sorte de fleur d'hibiscus à la vanille. Et j'ai trouvé que ça. Du coup...
À mon deuxième passage, deuxième caisse, bah, j'ai repris, hein, histoire de faire un bon stock avec cette chaleur. Ensuite, j'ai pris des culottes spéciales menstrues pour tester. Taille double XL au cas où. C'est un peu grand, je sais, mais bon. J'ai un gros fessier, comme je vous l'ai dit. Je vais voir si ça marche. Mais de toute façon, moi, j'aime pas laisser tel quel comme ça. Les culottes de règles, normalement, c'est cher. C'est 15 euros la pièce. Là, j'en ai pour deux, 15,99. Mais je mets quand même les protections en tout, hein, histoire de... Parce que moi, j'aime pas du tout rester comme ça sans protection en dessous, même si sachant que ça absorbe, absorbante, ouais, devant et dos, d'accord. Ouais, non, je préfère toujours garder ça, toutes les bactéries, tu sais pas, tu peux avoir des infections urinaires, tu risques d'avoir, franchement, moi, j'ai peur, hein. Donc voilà, j'ai pris ça au cas où ça déborderait, ça peut servir. Ensuite, j'ai pris pour 1 euro des chocolats Lindt au maïs grillé. 85% de chocolat au lait. C'est super bon ça, mais faut des bonnes dents, hein, je vous le dis. Ça croque dur. Ensuite, des petits aliments complémentaires. J'ai oublié le nom. Compléments alimentaires, voilà. Pour la mémoire, ginkgo, curcuma, ginseng, sibérien. Je crois que c'est 3 euros ce truc-là. Il est où mon ticket de caisse? Est-ce que c'est lui? Non, c'est pas lui. Normalement, j'ai un deuxième, mais bon. Bref, tant pis. Celui-ci, ouais, je crois, il m'a coûté 3 euros. J'en ai pris un autre spécial, Tentation Sucre, Café Vert, Chardon Marie, Cannelle. Chardon Marie, c'est très bien pour les reins, pour nettoyer les reins, donc voilà. Et le reste pour booster. Donc voilà. Et là, il dit que c'est pourquoi une gélule midi et soir au moment du repas. Ok. Et lui, pareil. Au moment